Bonjour Alain. Bonjour Sonia. Aujourd'hui, tu traites de différentes manières. Une en présence, à titre individuel, une à distance et aussi en groupe. Est-ce que tu pourrais nous donner les différences entre ces trois types de traitements? Donc si je prends dans un traitement en présence, en réalité, en étant juste à côté de la personne, je vais sentir instantanément toutes ces émanations et je vais voir beaucoup de choses parce que, en réalité, comme un thermomètre va prendre la température, moi je vais sentir la température de la personne très aisément parce qu'elle est à côté de moi. Si je fais à distance, j'aurai les perceptions très identiques, mais peut-être plus aussi, on va dire, denses que si elle est à côté de moi. Par contre, on a les mêmes pouvoirs à distance parce que cette énergie avec laquelle je travaille, l'énergie source, est omniprésente partout dans l'univers et partout sur Terre. Donc je vais ressentir et me lier à cette énergie source pour là, dans cette personne qui a ses faiblesses, ses perturbations, les compenser. Et si maintenant je fais des soins de groupe, c'est quelque chose qui est similaire, où de nouveau je vais travailler avec l'énergie source pour, dans le groupe entier, amener un soin, une régulation, une harmonisation, c'est encore plus correct, d'accord? Et puis plus précisément, je vais me connecter avec, là, de manière séquentielle, à chacune des personnes pour voir s'il y a encore quelque chose de particulier que je ressens que dans cette personne-là, il faut modifier, qu'il faut harmoniser. Donc l'efficacité est la même, en présence, à distance ou en groupe? C'est juste, l'efficacité est la même, c'est le ressenti qui est différent. Quand je suis avec une personne à côté de moi, cette personne sait que je travaille sur elle maintenant et me voit ou me perçoit, et donc le ressenti sera là peut-être supérieur. Mais en réalité, l'efficacité est la même, elle ne dépend pas de la présence, parce que la présence de l'énergie est toujours là, la présence de la source, elle est toujours là tout partout. L'individuel, il est surtout fait pour pouvoir avoir du temps pour communiquer avec toi directement. Exactement, tu as tout compris. Si j'ai quelqu'un en soins individuels, on aura beaucoup plus de temps qu'en soins en groupe. Et même à distance, en réalité, même à distance, les soins à distance, le plus souvent, sont moins longs que les soins en présence. Donc la différence, elle est vraiment dans le temps. Le temps passé dans un soin individuel est plus long qu'un soin à distance et qu'un soin en groupe. C'est vraiment ça la différence. Cette séance de groupe, c'est combien de personnes par... Typiquement, c'est des petits groupes entre 5 et 10 personnes pour permettre aussi à chacun d'un petit peu s'exprimer, d'un petit peu profiter de cet échange. Et la durée d'une séance, c'est plus... C'est une heure. Donc pour un groupe, un soin en groupe, d'accord, le soin lui-même, ça dure une heure, d'accord. On va mettre une musique de fond, on va se détendre, se laisser aller. Je vais faire une méditation guidée pour que chacun soit, on va dire, dans une bonne résonance. Et la durée du soin, environ avec la préparation, il faut compter une heure de temps. Ça peut être une bonne transition de commencer par une séance de groupe pour ensuite aller vers des séances personnalisées ou à distance? Tout à fait. Si quelqu'un ne connaît pas cette guérison spirituelle, cette transformation par ses énergies, d'accord, ça peut être quelque chose qui est, on va dire, comme un billet d'entrée pour faire connaissance avec ces guérisons spirituelles et de remarquer après sur soi comment ça agit. Et après, en fonction de ça, c'est, si c'est nécessaire, continuer par des soins de groupe ou aller dans une séance individuelle pour avoir un maximum d'intensité, un maximum d'attention. Mais c'est vrai, on peut comme ça aller par étapes. On peut réserver directement sur le site internet? Donc en réalité, pour tout ce qui est inscription, on peut vraiment réserver ou par téléphone, ou par courrier électronique, ou par WhatsApp, sur le site internet aussi. Pour toutes ces inscriptions, que ce soit un soin en groupe ou que ce soit un soin individuel ou à distance. Merci Alain. Merci Sonia.